Salut YouTube, ce soir c'est Teardown, on va tout péter, on espère, comme d'habitude, on espère. On a récupéré de la nitroglycérine quand même la semaine dernière, ça a pas marché, bon c'est pas grave. C'est pas grave, vous emmerdez pas avec le text-to-speech, je bosserai dessus. Donc, aux dernières nouvelles, on n'avait pas réussi à finir une mission, alors je vais couper le jetpack et l'inferno torch. Ouais, réaction en chaîne de nitroglycérine. Je me suis amusé en sandbox avec ça, d'ailleurs. Ouais, je me suis amusé, genre le... La tour là du bâtiment en briques de l'usine du début du jeu, j'ai fait péter en un seul tir du coup en mettant de la nitroglycérine partout à l'intérieur. Et du coup, ouais, en faisant réaction en chaîne, on peut faire péter tout un bâtiment, mais il en faut vraiment beaucoup. Il en faut vraiment beaucoup. Let's go. Oh, le bel arbre. Hop. Cassé. Yes, yes, good. Donc, on avait une mission. Truckload of Trouble, Frustrum. Bref, vous vous souvenez, on devait rassembler les parties d'un camion expérimental. Là. C'était long et chiant, et on a compris à la toute fin ce qu'on devait faire. Donc, maintenant on va anticiper. On va péter les caisses. On dégage un peu la route parce qu'on va venir ici avec une grosse grue. Et ça, c'est le camion qui nous casse les couilles. Ah, la grue en deux parties, c'était pas évident, effectivement. Effectivement. On va utiliser ça pour virer le camtar. Alors je pensais le virer, pas le rendre encore plus chiant. Un peu de nitroglycérine pour le camion. On va déjà essayer de l'écarter du chemin. On n'est pas des sauvages non plus, enfin. Hop, voilà, première partie. Et la deuxième. Par contre, ce serait dommage de coincer la pelleteuse. Hein. Donc on va aller la ranger. Oui. Voilà, ici. Très bien. Parfait, elle est garée. Bon, ça va, c'est praticable. Alors... J'aime bien balancer des objets en vrai dans ce jeu.
C'est assez satisfaisant. Nitroglycérine, on va l'utiliser sur ces trucs-là, je pense. Oh, quoique. Ah non, c'est... C'est bien attaché. Alors, nitroglycérine... On a utilisé les 4 sans vergogne. Hein. Ah voilà. Un peu de problème. Oh, c'est bien. Il est bien ce jeu. Toi tu gênes encore. Dans ces gros bouts, c'est normal. Voilà. 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 C'est complètement praticable maintenant. On enlève les débris. Voilà. Et puis voilà. Parfait. Il est bien du moment qu'il n'y a pas de cambriolage. Écoute. Putain, la glace, elle casse les couilles aussi, hein. Ensuite, on va méthodiquement déblayer la route. Hein. Oh, elle est lente cette voiture, ça va être chiant de la déplacer. Si seulement j'avais un truc pour l'accélérer. Let's go. C'est quoi cette merde? Un rocher, non mais... Alors... Doum, 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 doum. Ah oui, c'est vrai, il faut prendre le camion Ben. J'avais oublié le camion Ben avec les câbles. Putain, c'est pour ça qu'on n'avait pas pu le finir, parce qu'on n'avait plus de câbles. Donc cette fois, on fait très attention avec les câbles. En vrai, peut-être qu'il y en a caché dans le niveau, mais... Mais dans le doute, on n'en utilise pas trop. On en a 6. Pardon. C'est pas assez, il m'en faut 8. Ok, en fait... Putain. Mais il était là, j'ai failli péter. Ouais, 2 ça suffit pour remorquer.
Mais c'est un peu chaud. Quatre, on préfère. Impuissance, ça va, je me... Merde. Oui, c'est vrai, je l'ai attaché au toit. Bon. Évidemment, j'ai pas fait de sauvegarde. Hop. Alors. Il était aussi loin la dernière fois. Ouais, non. Il y en a un autre. Écoute. Pour le moment, on va déjà essayer avec ça. Oui, la perspective. C'est bien. Et ça ne va pas du tout assez loin. Hello Himmelbach, salut. Ah oh, putain! Ah putain, j'ai retourné la planche! Non! Bon. Attendez. Attendez, c'est pas encore dead. Peut-être je peux. Bon, écoutez. C'était minable. On va recommencer. J'ai des cheveux accrochés dans mon micro, c'est super. Alors. On fait comme si c'était le premier essai, exactement. Je découvre le niveau, je ne le connais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce que je dois faire. J'ai même pas joué la semaine dernière, dis donc. Allez. Allez, let's go. Let's go dans le fleuve. J'ai plus du tout de pelle. Bon, allez, allons-y tous. Comme ça, c'est fait. Hop là. Ben voilà. Impeccable. Impeccable. Thank you.
Cette fois-ci, on fera une quick save au bon moment, hein. Attention de pas tout péter, c'est quoi? Alors, la nitro, on va en mettre là, 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 ainsi que là. En vrai, il n'y a pas trop besoin de déblayer vu que le camion que je vais prendre a une pelle à neige. Même la glace, je peux la laisser. Surtout la glace. Et ouais, tout ce qui est un peu débris comme ça, je pense que ce sera poussé. On a 3 dans le niveau, ok. Ah putain, t'as les meilleurs souvenirs que moi. Hein. Ou alors t'as regardé la VOD depuis? Peut-être, qu'est-ce que j'en sais? Alors. On va le préparer. Rooms of Luxury. Hop. Et on va tout de suite prendre le camion, histoire de ne pas perdre de temps. On essaie de pas prendre la pompe à essence cette fois. On fait pas les bolos. Et voilà. Pour le moment, ça va suffire. Toi, on va t'avancer un peu. Et te planter, bien évidemment. Te planter! Ensuite, on recule le bateau. Voilà, ça devrait suffire. Et maintenant, quick save. J'ai mal au dos. Oula. Ok. Alors, maintenant qu'on l'a...
Oui, cette grue-là, elle est solide. Ça change de celle qu'on a pétée avec... Merde. Avec juste le chargement. Hop. Voilà. Ok. Alors, on t'emmène jusqu'au bout. Non. J'ai eu chaud au cul. Ok, effectivement, la glace est détruite par la pelle à neige. Donc tout va bien. Les débris ne dérangent pas vraiment. Les câbles aussi sont solides. Ouais, je vois ça. Oh, le demi-tour, il va être marrant aussi. Hein. Il y a un câble qui est plus court que l'autre, ça m'énerve. Ok. Ah oui, il y a le truc optionnel aussi. On va pas faire le truc optionnel. Hein. Les roues là, c'est bon. On a autre chose à foutre. On a envie de casser des choses. On est là pour casser des trucs. Et on va casser des trucs. Alors, on va faire le demi-tour ici. Voilà. Et là, petite quick save. On a fini la première étape. Maintenant, on va aller chercher la grue et la ramener là. Alors la manœuvre de la grue, ça va être très sportif parce qu'elle va devoir passer là-dessous. Et elle est trop haute pour ça. Déjà, on va... Oula. Voilà, on la range. Et c'est parti. Les gros véhicules comme ça, j'ai envie d'en conduire dans la vraie vie. Il y a quatre roues qui tournent et tout. C'est trop bien, c'est trop stylé, j'adore. J'adore. Alors. Hop, toi tu m'énerves. Hop. Ok. Ah oui, c'était cette touche là. J'oublie même mes touches, dis. Ah, je vais mourir. Non.
Alors. Il est pas trop dans le sens où j'aimerais qu'il soit. Hein. Bon, déjà. Ça me casse les burnes. Voilà. C'est mieux. Parce que là, comme ça, on va pouvoir le faire rouler. Allez, c'est parti. Let's go. C'est bancal, mais ça marche. Vas-y, j'ai hâte de le conduire, ce machin, du coup. Je galère à tourner. Le truc est tellement brinque-ballant qu'il m'empêche de tourner. Let's go, c'est la fin. Bravo. Bravo. En vrai, la semaine dernière, quand on a coupé, on savait ce qu'il fallait faire et tout. C'était voilà, le problème était résolu. Chasser un véhicule pour détruire la maison de la personne qui a tout détruit, ça veut dire détruire ta maison avec, non? Écoute. Peut-être. Peut-être le endgame, c'est ça, c'est on détruit notre baraque. Oh, dis, il y a un petit... Waouh, il y a carrément un petit café et tout, un petit bar. GG first try. Eh oui. Oh là, le glow-up de la maison, quand même. Ouh, le tapis. Oh là là, oh là là. Ah, il n'y a plus le monte-charge. On a enlevé le monte-charge. C'est un peu dommage. Il va me manquer. Alors. Oh là là, l'atelier créatif. J'ai envie d'habiter là. Oh putain. C'est beau. C'est beau! Je sais pas si la maison est finie en vrai. Hein. Mais ouais, on va s'éclater avec, ça c'est sûr. Ouf! Il y a de la place là-dedans. On crame tout. Ne vous inquiétez pas, on va tout cramer. Hein. Ça va finir à part ça. Si le jeu. Si la campagne ne nous amène pas à tout cramer, on le fera. Nous-mêmes. C'est important, je pense. Il est dans la baignoire. Eh ouais. Jacuzzi ou quoi, les amis? Eh ben, je vais habiter là. Oh, le petit salon, là. En tout cas, l'atelier, là, je m'y attendais pas du tout et j'aime beaucoup. Vraiment, j'ai envie d'habiter là. Gordon Wu, ça fait un bail. J'espérais ne plus avoir besoin de vous, mais ça a été un peu difficile ces derniers temps. J'ai perdu mon emploi au centre commercial. Le patron était un fou malade de toute façon.
Je n'arrive pas à croire que je me suis que je me le suis tapé pendant des années. Un petit peu la merde au niveau finance. Vous voyez, j'ai abandonné, j'ai acheté le terrain abandonné de Lee pour réaliser un vieux rêve à moi. Le parc à thème Racing Wonderland. C'est exactement ce dont Lokele a besoin. Oui, complètement. Vous ne pensez pas? J'ai dépensé mes dernières économies sur les dernières attractions. Et j'ai complètement oublié les vacances qui arrivaient. Je sais qu'ils sortent les décorations, qu'ils mettent les décorations au centre commercial à cette période de l'année, donc peut-être que vous pourriez vous y rendre, vous y infiltrer discrètement et m'en ramener quelques-unes. Ça ajouterait la touche finale à ma grande ouverture la semaine prochaine, ma grande inauguration. Je ne peux malheureusement pas vraiment vous offrir grand-chose en retour. Éventuellement une journée gratuite, deux, en l'honneur du bon vieux temps. Et ne vous inquiétez pas pour les dommages collatéraux, tout problème causé à ce vieux connard serait un plaisir pour moi. Très bien. Alors, nitroglycérine, on va complètement l'améliorer à fond. Voilà, donc elle va péter fort. Très fort. Allez. Et on va faire cette mission-là. C'est donc une mission alternative. Une mission additionnelle. Une mission optionnelle. Mais on fait tout. On fait tout le jeu. On fait toutes les missions, on a dit. Je sais pas si on l'a dit, en fait, au début, je m'en étais pas rendu compte, mais... Mais voilà. Alors. Il en faut envoler au moins 4. Emmenez-les à votre van. Faites attention aux robots de sécurité qui vont déclencher l'alarme si vous êtes repéré. Et il y a une fire alarm. Ok. 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 Le sapin, je sais pas, il est sur le toit. Ok, il y a un robot au-dessus. Oh putain. Je voulais savoir. Ouais, faut faire la mission sans se faire voir. Et sans provoquer d'incendie trop gros, comme d'hab. Oh merde. Ils savent utiliser les escaliers.
Ah, c'était ça. C'était ce truc-là. Ça va voir ailleurs si j'y suis. Ah oui, il faut que je les attrape, les objets. Faut que je les attrape à la main. Non mais l'arbre de Noël, c'est mort. C'est bon, on peut parler, on est dehors. Où est le van? Où est mon van? Il est là. Il est connement devant moi. Edin. Ok. J'ai envie de tenter ça. 2 mètres au-dessus. Allez, c'est au rez-de-chaussée. C'est juste là. J'ai envie de faire péter ce mur en vrai. Hein. On va tenter après tout. Est-ce qu'il va sortir ou pas? C'est Metal Gear. Ok. On va effectivement faire une quick save. Hop. Let's go. Ok. J'ai un peu envie de tenter l'autre côté. C'est un serpent de Noël. Ok, on va rentrer à l'intérieur. Il va falloir chuchoter. Voilà. On va aller de ce côté. Oh putain. J'ai eu peur.
c'est marrant, ils surveillent vraiment les décorations. C'est de la nitro là. On va préparer une pipe bombe. Lui il va remonter. Est-ce qu'il va remonter? Au pire. Non, il a pas de main. C'est bon. Ça n'a pas marché. Ça a marché cette fois. Non plus. J'aimerais bien faire péter cette nitro en fait. Oh putain, putain, putain. Ça m'a l'air bon. Allez, on y va. Let's go. Bah salut Hologrim, j'espère que toi tu vas bien, nous ça va, enfin moi ça va en tout cas. La forme, mal au dos mais c'est la routine. Et toi, comment vas-tu en... Mais attends... Oh je sais. Je sais ce qu'il faut faire pour l'arbre. Ouh là là.
discrétion. Mais du coup, il a perdu son étoile. Elle est où l'étoile? Ah, elle est tombée sur l'étoile! Oh putain. Bah super. Mais il veut pas tomber. Merde. Oh putain. Oh. Oui, ça va aller mon dos, hein, t'inquiète. Non, j'ai pas de quoi gérer, mais... c'est comme ça depuis 15 ans. Donc je m'inquiète pas plus que ça. Pardon, il y avait un long message dans le chat. Il fallait que je le lise. Ah, mais elle est là! Ok. Viens! C'est-à-dire qu'en fait, ce serait bien que tu viennes. Plus le time. Hein. Voilà. Et c'est parti. On se casse. Discretos. Merde. Non, bah non. C'est bon? On peut y aller? Qui m'entendent, écoute. C'est bon, on se casse. Les gongs. Expert. Niveau expert, les amis. Alors, merci. Anton Wolf. Ouais, on a un mail de Paris Saturday Man aussi. Hey, je viens d'apprendre quelque chose. Quillez, vous savez, cette société de sécurité, ils installent des... Oh putain,
Des coffres-forts sécurisés sur les lieux. Des trucs très solides. Il doit avoir une vraie mine d'or d'outils là-dessous. Je pourrais sans doute utiliser ça pour le parking. Est-ce que tu pourrais y aller et les récupérer? On va tenter. Mais je suis moyen chaude. Hein. On rappelle, c'est là où il y avait tous les robots qui nous ont attaqués. C'était l'endroit qui faisait peur. Je sais plus qui c'est. Je sais plus qui c'est du tout. Je crois que c'était déjà un gars qui nous avait envoyé voler des outils, mais. Alors. Ah, c'est plus la zone qui fait peur. La zone qui fait peur, c'était là-dedans. Oh, ouais. Bon, on va tenter, mais honnêtement, si elle me saoule, je la finis pas cette mission. Ah putain, non, c'est vraiment en dessous. Oula, non, je vais pas faire une chute de 15 mètres, moi. Mauvais plan. Voilà, 6 mètres, c'est gérable. Nope. C'est bon. Flemme. On fera pas toute l'émission. Pardon, hein, mais. J'en peux plus de ces missions-là. Mission de cambriolage. Donc, Paris Saturday Man. Les barils de votre voyage viennent d'arriver. On a presque tout ce dont on a besoin pour monter le dossier contre Amanitides. Mais il y a toujours cette pièce manquante. Pour assurer des preuves contre des preuves de la connexion du labo pharmaceutique à Muratori, on a besoin de télécharger leurs données de communication. C'est transmis depuis le centre commercial, mais crypté au travers de plusieurs antennes. Alors on a besoin d'une ligne de vue dégagée sur le van, et toutes les antennes range à portée. Pour avoir une couverture simultanée. Pouvez-vous trouver un moyen d'obtenir une bonne couverture avec le van de surveillance? On va tenter. De toute façon, ça, on n'a pas le choix. Vas-y, il va encore neiger là. Ça va le framerate? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème. J'en vois pas en tout cas. Oh putain, Wired Alarm Boxes.
Ouais, en gros, je dois trouver un spot où je peux toutes les capter. Ça va être là. Ça va être quelque part par là, là, à l'intérieur. Ah oui, il faut une... Ah putain! Ok, il faut une ligne de vue dégagée. Bon, on va se marrer. Ok. Bah, merci à toi. Repose-toi bien et bonne nuit. Non, on va vraiment tout péter. Ah, le fusil, il avait manqué, ouais. C'est notre meilleur copain, hein. On va pas se mentir. Alors, elle est où l'antenne? Elle est dehors. Elle va être dehors. Ça va être la prise de tête cette mission aussi, hein.
Là où il y a beaucoup de débris, on va avoir des ralentissements, je vous le dis. La simple et bonne raison que j'ai désactivé le ventilo de mon ordinateur pour le bruit et que... Ben... Du coup, il est moins puissant. J'aurais pas assez de balles. Il y a une ligne directe là. Je comprends pas. Ah, c'est faut être within range. Ouais, il y a une question de distance, donc faut vraiment que j'aille le coller là mon van en fait. On va recommencer. En vrai, de l'intérieur, ce sera plus simple, je pense. Que de traverser le bâtiment de part en part. On va rentrer axe. Hop là. Let's go. Alors. On va commencer par ça. On va la mettre au sol. Hein. Voilà. Et
et la rapprocher au maximum. Ça tombe bien, le câble est assez long. Ok. Oh, ça passe à travers les vitres. Bon à savoir. Il est où? Eh ben... Ah bah il est là. Ok... Ça facilite pas mal les choses. Let's go. Je pensais pas y arriver aussi vite celui-là. Ah, c'est le meilleur outil, c'est clair. Déjà, c'est le plus satisfaisant à utiliser. Alors, par contre, pour ça, je suis moyen confiante. Mais c'est con, j'aurais dû sauvegarder avant de la poser. C'est ce que je craignais. Je peux l'enlever. Mais non, je peux pas l'enlever. Attendez. On va voir si on peut pas contourner ça d'une manière ou d'une autre. On peut. En coupant autour, je lui... Oh putain! Eh, t'as des bonnes idées, hein! Gros cerveau, Celtic! Bon, j'ai un peu peur de la péter au chalumeau. Et au pire, j'ai une autre idée. Non, ça découpe pas. Le chalumeau, c'est plus pour le métal. Pas grave. Hop! Et le tour est joué. Oh. Oh si c'est pas beau ça. Même pas besoin de péter plus des trucs. C'est sublime. Bon allez, je me casse. Utiliser une source de chaleur à côté d'un explosif, what could go wrong? Exactement. Ah putain, je l'ai bougé. Je me tiens pas bien.
micro plus haut, ça va me forcer à me tenir plus droite. Top Dog. Putain, nouvel outil. Oh, il y a des décos de Noël. C'est mimi. C'est très mignon. Elle est un peu vide, la chambre d'amis. Oh. Waouh. Quel est le nouvel outil? Oh, le sapin de Noël! Fous-y le feu, Aline! D'accord. Puisque le chat demande si gentiment. Non, c'est même pas celle que j'ai volée, elles étaient pas pour moi. What the fuck, je peux pas. Ah, je croyais que je pouvais pas mettre le feu au parquet. Ah oui, bah c'est le fusil de chasse, c'est celui que j'avais trouvé sur l'île. Bon. Alors. Anton Wolf. Ah, c'est une side mission. Un maniac a détruit la moitié du centre commercial hier. Je me demande qui c'est. Ils ferment pour rénovation et ils ont annulé mon contrat pour le parking. Ah oui, c'est le mec qui construisait un parking à la place de la maison. Ça a été une année de merde tout du long. J'ai décidé de quitter la construction et d'ouvrir une un pawn shop. Je sais même pas traduire un pawn shop à la place. C'est en fait la raison pour laquelle je te contacte. Ils ont cette... Il y a cette énorme solde... Ces énormes soldes de liquidation au centre commercial aujourd'hui. Et chaque personne de Lokelo est là. Je me suis dit que vous pourriez visiter... vous pouvez revendre à Frustrum pour m'aider à remplir le pawn shop. Oui, prêteur sur gage, c'est ça, merci beaucoup. On n'a pas trop ça en France. Merci. On m'a dit... Sous le vernis, on retrouve l'ancien... L'ancien sol. Alors... Malheur. Allez. Let's go. Ouais, c'est des magasins de revente, quoi. C'est cash express. Mais les pawn shops, c'est un peu plus flippant, je trouve. Il y a un côté un peu plus far west, je trouve. Ça me fait peur. Putain, il y a des alarmes à câble. Ouais, bon, faut voler des trucs, quoi. Putain, y'a beaucoup de choses à voler. Ok, je pense qu'on commence là, on tac, on saute là. Ensuite on monte ici, tac tac. Puis yes, putain. Oh, j'aime pas, j'aime pas. J'en ai marre de la cambriole, ça y est, je commence à en avoir plein le cul. Je suis arrivé au stade où j'en ai marre de certains aspects du jeu. Is this the end? The end of... Ah mais tu sais quoi? De toute façon, c'est une mission optionnelle. Pardon, hein, tant pis, on fera pas 100%, mais juste ça me casse les couilles, ce genre de choses, donc... voilà, j'ai pas envie de m'infliger ce genre de choses... agaçantes, on va dire. Alors, Amalatides, le mec qu'on essaie de niquer. Ça, c'est toujours Anton Wolf, là. Elena Fernandez, elle nous a demandé un seul truc, c'était pète le yacht, et c'est tout.
superbe travail que vous avez fait avec, pour me récupérer le véhicule. J'ai une équipe qui travaille dessus, qui travaille d'ores et déjà dessus. Apparemment, il y a eu des avancées, une avancée technologique à Quiles Security. Un de mes informateurs a obtenu de la documentation classifiée décrivant un considérable bond en avant dans leur département de recherche en robots autonomes. Cette technologie ferait des merveilles pour mon plan. Ils stockent leurs prototypes dans des coffres-forts secrets sécurisés sur les lieux. Ce serait fabuleux que vous puissiez contourner leur sécurité et me procurer un de ces robots. Je suis particulièrement excité. J'ai particulièrement envie de vous montrer ce sur quoi je travaille. J'ai particulièrement hâte, voilà, c'est ça. Il est eager, quoi. Voler un robot? Jamais! Je vais pas mettre la musique parce que j'ai peur qu'elle soit sous copyright. Étant donné que la pub l'a volée. Alors, Android 3 Dotate, t'as 4 petites secure vol, tu as de Heavy D, Laser Cutter, tout mêle de Vault Doors, Ring at least Android, prototype, tout escape boot. Ok. Donc, premier objectif, récupérer un méga cutter. Un cutter laser. Le cutter plasma. Les fans de Dead Space apprécieront. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de sécurité. Hein. Il n'y avait aucune alarme d'indiquer. Ok. Bon, on monte. Et on voit. Au bout d'un moment, ils ont accepté que ça sert à rien. Peut-être. Peut-être. Alors, c'est bien sympa, mais comment j'accède au niveau supérieur, en fait ? Là-bas ? Ah. Peut-être que je pouvais continuer à monter. Oui, je peux continuer à monter. Je suis juste bête. Oh là là. Ah, il a des bons genoux, hein. Discarded bouquet of roses. Oh là là, le lounge pour attendre. Quelle vue. Nique la planète. Nique la terre. Swaggy, hein. Où il y a de la voiture? Où il y a de la voiture de sport? Alors. Ah, mais même la cantine, elle est trop bien! Oh là là. Toutes les portes sont automatisées, ça, je pense. Ça va nous attirer des bricoles. Ah, c'est en dessous. C'est below.
Ok, ça va être l'étage en dessous. On va au floor 2. Ah, incroyable comme décor. Alors, où est le cutter? Là. Ah, il est là. Non. Ah. Ah, putain. Ah, trop bien. Alors, ça va être la plaie, et en même temps, ça va être trop stylé. Exactement, c'est Portal 2. Ah oui, bah oui. Et oui, Aline. Tu es là pour faire ça. Ne l'oublie pas. Alors. Ok. Pour le moment, c'est bon. Maintenant, on va embarquer ça. Oui. J'arrivais pas à le retourner. Alors. Ok, et là j'en place un dernier. Oui, bah à un moment la table de ping-pong, hein. Ping-pong, c'est sympa, mais c'est pas non plus... Pardon, le tennis de table, hein. Ah! Pardon? Quoi? Plaît-il? On va devoir combattre un robot, en fait. Le spoil. Le petit spoil. Vas-y, je monte plus vite que l'ascenseur, je suis sûr. Hop là. Allez. Ok. C'est donc ce genre de mission. J'imagine qu'on va devoir le tuer avec le laser. Bonne nuit, Mahogany. Merci d'être venu. Bon courage pour demain. Repose-toi bien.
Ah, le laser me fait rien du tout à moi en fait. Je payais les tranquillos bilou. Donc, il faut la tirer. Putain. Non, faut pas le casser, je pense. Faut juste la tirer au bateau. Qui va trouver le moyen. Ah, oh, il s'est mis dans l'ascenseur. Alors par contre, faut pas que je me perde, moi. Il faut pas que je me perde. L'important c'est de se faire repérer. Ok, il sait où je suis. Vas-y, viens me chercher, viens me chercher. Ça, c'est l'inverse. Il est où? Oh merde. Oh merde. Je l'ai pas attiré au bon endroit.
Allez, viens me chercher. Allez, descend. Ah putain, oui, il faut l'ascenseur. Pardon. Allez, monte sur le mont de charge. Viens me chercher. Oui. Viens. C'est pas possible. C'est pas possible d'être tartignol comme ça. Allez, viens. Allez, allez. Allez, viens me chercher. Let's go. Pas facile. Mais j'ai bien aimé. C'est trop mignon. Allez. Bon, on va tenter d'en faire une dernière. On va voir comment elle est. Si elle est pas trop dure ou quoi, pas trop longue. Oh, pardon, c'était ignoble. Alors, j'y comprends rien, mais c'est un poème. Malice in Wonderland. Ah, c'est... Ok, c'est Lee, depuis sa prison, qui nous a demandé de sabotager Gordon's Wonderland. Ah oui. Ok, donc c'est là qu'il a fait son parc d'attractions. Faut détruire les attractions. Ouais, c'est de la destruction. Faut juste pas péter les néons. Got it. Oula, oui, ça a changé. Alors, faut péter les attractions sans casser les néons. Ouais, c'est ça, c'est un méchant en Batman. Bon, bah ouais, mais du coup, voilà.
pas tomber dans l'autre sens. Bon. C'est un truc optionnel. On va s'attaquer au truc obligatoire. Il faut péter les attractions sans casser de néons. Parce que les néons déclenchent... déclenchent le countdown. Ça va être chiant. Et ça va aller. Oh ouais, c'est vrai. Tu sais quoi? J'en ai 4. On va la tenter. Donc une. Celui-là on fera au shotgun. Quoique non, la grande roue au shotgun. Quick save. Bien sûr. On y arrivait sans. Tant mieux. Hein. On va pas tenter le reste. C'est parti. Ah putain, mais j'en avais 6. Bon. Marcher.
Démolition complète. Et maintenant on rentre à la maison. Tant qu'à faire. Allez. Écoutez. Merci. Merci beaucoup. Bon, bah écoutez les jeunes, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais pas lancer une grosse mission maintenant. En plus, je suis un peu fatigué en vrai. Ça marche bien, une trophée de ouf. En vrai, c'est le meilleur outil, hein. Never forget. Voilà quoi. Oh la fumée. Le bouc ça a enlevé quoi. C'est n'importe quoi. Et là, genre avec 3 packs de nitroglycérine, on a déjà pété bon morceau quand même. Hein. Putain, j'ai envie de refaire la mission où fallait péter le foot court avec la nitro. Vas-y, je vais faire ça. Juste pour le lol. J'ai envie de la tenter. Je sais pas si je vais y arriver, si j'y arrive pas, tant pis. Mais j'ai envie de la tenter avec la nitro, ça. Non, mais faut détruire 50% et après, genre, on a d'autres outils. Hein. On rappelle qu'il y a ce camion. Le camion de propane. On va foutre juste là. Et il y a les tanks. Allez. On a 2 minutes pour péter 50% du truc. Ça se tente. C'est pas mal en vrai, hein. Oh, on va être obligé de finir au lance-roquette qu'on n'avait pas non plus à ce moment-là. Comment ça ralentit le jeu?
Bon, mon son va devenir dégueulasse. Je vais essayer de pas trop parler. Parce que là, ça va activer le ventilo. Le PC est pas fan. Fan. Ventilo. Fin de ce stream, on détruit mon PC. N'importe quoi. J'entendais mon ventilo comme il est à fond. Oh, j'ai plus d'explosifs. Ah, il reste un tank qui est chargé. Ouais. On y a pensé en même temps. Je sais pas s'il suffira, mais au pire après on va rouler dedans. Hein. Voilà. Et voilà. Oh, la nitro, c'est bien. Oh, la vitesse du jeu. C'est une catastrophe. La nitro, c'est bien, allez. J'avais pas d'idée de titre, c'est parfait. Bon. Et ben, j'espère que ça vous a plu. Yeah. J'ai mal partout, je suis très crispé. Je pense que c'est de jouer en clavier souris en vrai qui me crispe. C'est pour ça que vendredi aussi j'étais crispé, parce que ben je jouais à Dogon Hungry en clavier souris. Et ça me crispe. Alors que je suis détendu si je joue à la manette, genre j'ai les bras le long du corps et tout. Je suis comme ça. Salut YouTube, merci d'être passé. Laisse un pouce en l'air, abonne-toi, mets la cloche. Et caetera.